on a créé 1336 qui est notre marque pour les produits naturels. Et on a créé Scop-Ti pour les produits bio parce que c'est ça qui regroupe le plus notre aboutissement, quoi. C'est-à-dire les circuits courts, donc les productions françaises, des circuits courts, des produits de qualité, parce que c'est des produits bio. Et voilà, donc on s'est dit, on va engager notre nom dessus. La nuit. On a vidé les gardes du corps. Ah oui. Oh, c'était de mai. C'était un film, ça. Ah, ça, c'était un film. En pleine nuit. En plus, on n'était pas au courant. Et oui, tu étais au courant, mais tu ne savais pas combien on serait. Voilà. Et parce que tu sais comme ça, tu sais pas combien on serait. On avait fait la réunion. J'ai mal dormi ce soir-là. Et c'est le soir même, à 2 h du matin. Oh, tu es là, toi aussi. Tous dans les camions. C'était une organisation terrible. On est rentrés de partout. Ça, c'est le top. Ça, c'est gravé, ça. Ah, ça, oui, non, parce que c'était... Passer au-dessus des portails, au-dessus du grillage. C'est chaud. On avait coupé les grillages derrière. Ce qui était bien aussi, c'est quand on gagne le 17 novembre. Oh, putain. C'est là où j'ai vu des mecs pleurer. J'ai jamais vu autant de mecs pleurer. 17 novembre, 17 novembre. La cour d'appel de Dax. Qui casse le plan social. Qui casse le premier plan social. Ah oui, Gérard Richard. Chaque fois, ouais. Pleurer, pleurer, on a pleuré plus d'une fois, je crois. Oh, pleurer, ouais. Il y a eu des hauts et des bas. Tu as pleuré de joie, tu as pleuré de peine, tu as pleuré. C'est pas, je dirais, bon, mais on ne s'est pas résigné. On ne s'est pas dit, on n'a pas cru à la fatalité. On s'est dit, c'est pas... Même si c'était dur, et c'est vrai, on a été déboutés plusieurs fois, mais à chaque fois qu'on était déboutés, il y en avait qui remontaient les... S'il y en avait un qui baissait de régime, tu en avais un autre qui le remontait. On l'a tenu parce qu'en fait, on adhérait à ce plan alternatif. Parce qu'on y croyait, voilà, parce qu'on y croyait à fond. C'est cette solidarité-là aussi entre nous qu'il y avait. C'est énorme. Après, tu rentres chez toi, tu perds la face, merde, qu'est-ce qui va nous arriver, quoi, demain. Oui, parce que tu as la lutte à l'usine, et quand tu rentres chez toi aussi. Ah ouais, ça, c'est vrai, ça. Ta femme te dit, alors vous en êtes où? Et que tu dis, aujourd'hui, il n'y a rien eu, parce qu'il n'y a pas... Tous les jours, il y a des jours où il ne se passe rien du tout. Donc c'était long, ça aussi, à vivre, à faire vivre à ses proches, quoi. Quand il nous a envoyé les huissiers à la maison. Ouais. Moi, j'ai reçu les huissiers à la maison. Et les lettres de recommandé. Alors, quand tous les voisins qui se voyaient débarquer les huissiers, tu sais. Ils disent, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, puis dans les journaux, ils disaient qu'on cassait tout, etc., etc. On n'avait rien cassé. C'est pas gavé, lui. C'est vrai qu'il y avait ça, quoi. Une fois que tu quittais l'usine, après que tu allais chez toi, quoi, dans ta famille, dans tes amis, et tout, là, tu avais un autre combat à mener encore. C'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça qu'on en a perdu aussi, quoi. Parce que après, il y en a qui ont craqué. Moralement, physiquement, ils tenaient pas. Et puis financièrement, ils tenaient pas non plus. Comme je te disais tout à l'heure, le fait de nous geler le salaire pendant 6 mois, c'était la façon de nous faire craquer. Ils vont craquer, ils vont craquer. Après, quand ils nous ont appelés devant les tribunaux, passer un par un, on vous propose telle somme. Le temps qu'ils ont eu, c'est eux, ils pensent que par l'argent. Ils ne pensent que par l'argent. Et nous, ce n'était pas notre cas. Ça, c'est pas beau, les 3 avocats qui attendaient par l'humain et par le social. Je crois que c'est un des derniers moments où ça a été très chaud. Parce que là, on savait pas. C'était en 2014, ça. Oui. Le 20 janvier. Parce que là, on savait plus où on allait, il y avait moins d'action, c'était beaucoup plus juridique et politique. Et se commençait à se regarder déjà de... Mais à la limite, on se posait les questions, mais un copain pour moi, perso, il serait parti, il aurait signé, tu peux pas lui en vouloir. Ouais, mais pour certains, c'est alléchant quand même. Ouais, mais la somme qu'ils proposent, certains, moi j'en connais 2 qui ont pleuré. Ils avaient envie de les prendre. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, mais au bout de 4 ans... Après, tu peux pas leur en vouloir. Après, qu'est-ce que tu vas avoir plus tard? Après, l'objectif, c'était de garder l'usine, l'outil industriel, et avoir le travail. C'est l'emploi. Ouais, mais entre nous, quand tu étais seul, que tu étais en phase 2, que tu avais la personne qui te calculait pas, qui était dédaigneux, qui te calculait pas, et là, il était obligé de descendre à Marseille, parce que c'est lui qui est descendu. Et il te regarde, et il est obligé de... Franchement, moi, ça a été le jour où j'ai gagné en dignité. Moi, j'étais trop fière. Ah, moi, je me rappelle, ça, je m'en cache pas. Hein. Je suis contente de me dire non. Beau, ça, ça c'était beau, ça. Puis personne n'avait signé ça. Quand on me demande la date de la lutte, ben, en fait, tu sais pas quoi répondre parce qu'on a toujours été en lutte, depuis, puisque tu as eu l'annonce de la fermeture en 2010, tu as eu un plan en 2007, tu as eu en 2009, on était en grève pour les ANAO. Chronologie, donc. Hein? Ils avaient une stratégie de chronologique. Ben, y a eu des pertes de volume déjà au départ. Oui, mais attention, quand tu remontes à 98, moi, je suis rentré en 96. Hein. C'était le benchmark. J'ai vu la progression de l'usine, la montée, oui, la puissance des volumes. Hein. C'était impressionnant quand même à voir. Là. Ils ont fait des investissements, alors? Oui, oui, bah, l'usine s'est transformée quand même, investissement. Ils ont rapatrié les stocks. Avant, on avait un stockage à Vitrolles. Ils ont rapatrié à l'usine. Okay, donc l'usine s'est transformée. Ils ont, enfin, toi, tu as connu ça toi aussi, ouais, là, de près. L'arrivée donc du coup d'Avré, parce que l'usine devait être européenne ici à Gemlos, donc on devait partir sur des décennies, quoi, de voilà ici. Là. Ensuite, il y a eu un PSE en 2007. Ouais, ça, j'ai... Premier PSE. Ouais, premier PSE, ouais. C'était chaud. Ah, il y a eu des dégâts, là, quand même, déjà, là. Ça a commencé à... Ouais. Là, c'était chaud. Il y en a combien qui sont partis? Ouais, c'était chaud. Il y en a combien qui sont 60. Partis 60, mais dedans, il y a eu des... C'est passé en... On a mis... Parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient en virer 60, plus après, virer les retraités. Enfin, que les retraités partent à la retraite. Et que ça ne soit pas remplacé. Et là, tu avais donc 100 personnes sur 260 qui partaient de l'usine. Et là, on s'est battu combien de temps contre ça? Et après ce plan social, il y a eu la venue de quelqu'un de nouveau dans l'entreprise, ouais, ou pas? En fait, il est venu, l'Overa, et il nous a dit, les gars, c'est vous qui faites tourner l'usine, donc c'est vous qui savez comment l'améliorer. Et c'est vrai, quelque part, je te dis, c'est bien ça. Ouais, il n'a pas tort. Mais comme juste avant, il venait, les premiers trucs qu'il a fait, c'est d'attaquer, il arrive... le premier truc qu'il a fait, c'est attaquer les délégués syndicaux. Quoi. Et casser ça, voilà. Après, il a attaqué ça, il n'a pas réussi. Donc après, il nous a dit, les gars, vous allez écrire sur un papier tout ce qui ne va pas dans l'entreprise et comment l'améliorer. Et il a fait tout l'inverse. Ah ouais. Il y a des gars qui disaient, il nous manque des mécaniciens parce que sur ligne, c'était galère pour les mécaniciens. Ben, il en a viré. Quoi. Puis après, ils te disent, bah oui, bah maintenant, l'opérateur peut prendre deux machines. Une machine, c'est plus la peine. Il en prend deux. Puis après, ils sont revenus une deuxième fois. Ils l'ont refait deux fois, ça. Ils ont passé à trois machines. Et tu avais alors, et puis ils t'ont rétrogradé des mécaniciens. En opérateur. Ils étaient mécanos depuis 20 ans. Donc, du jour au lendemain, on leur a dit, vous êtes plus bon en mécano. Toi, donc, tu avais moins de mécanos. Et moi, à tel point qu'en 2010, quand il y a eu la grève pour les mutuelles, et moi, c'est pas pour la mutuelle que je suis sorti, c'est pour... J'en pouvais plus travailler ici, quoi. Ouais. J'en pouvais plus, tu pouvais plus continuer comme ça, quoi. C'est pas possible, quoi. C'était la guerre de partout. Et nous, on était en week-end, donc le staff, l'administratif, les directeurs, enfin, surtout les directeurs, ils s'étaient augmentés de 30%. Et, oui. Et nous, au NAE, alors que déjà, ça faisait 2 ans qu'on était gelés de salaire, on avait droit à rien. Donc là, on a dit, c'est bon, on arrête la production. Et la grève, elle a commencé le week-end. Et c'est vrai qu'on est sorti parce que on n'arrêtait pas, on n'arrivait plus à travailler, en fait. Non, t'avais les gens qui étaient en dépression, la plupart. Conditions de travail. Déjà, ceux qui étaient rétrogradés, ils l'avaient mal vécu. Moi, j'en connais quelques-uns, franchement, dépression et tout. Tu es rétrogradé, tu passes du mécano opérateur. T'imagines? Ah bah oui. Pourtant, pendant des décennies, ils les ont fait gagner d'argent. Mais moi, c'était ma première grève de ma vie. Au début mars, presque 2 mois, ouais. 3 mois. C'est ma première grève. 3 mois. Mars, avril, mai, ouais. 3 mois. Ouais, c'est ça, ouais. L'usine, elle était à l'arrêt, et là, on était presque 99% à l'arrêt, et le mec, il faisait rien. Il s'en foutait. Ouais, je me rappelle, nous, on était en grève, et eux, ils partaient. Ils avaient fait un séminaire à Disneyland, et les petits chez Fayon, là, ils avaient une journée au... Ah oui, au karting, non? Au karting. Ah oui, c'est vrai. Ça fait 3 mois qu'il n'y a rien qui sort et toi-même te dis... En plus, on avait des pertes de volume déjà. Ah, on voyait déjà la descente. Oui. Ouais. Eux, ils voulaient cette grève parce que quand tu fais une grève, bon, tu perds du pognon, etc. Et quand de suite après, on t'annonce la fermeture, tu es à genoux et donc tu te bats plus. Alors que ça fait l'effet contraire, puisque cette grève, on a appris à se connaître. Ben voilà, je vais dire ça, ça a commencé à s'unir, là. Parce qu'en fait, quand on a fini cette grève en mai 2010, on n'a pas repris à 100%. Ah non. Après, parce qu'on savait qu'ils allaient se préparer un truc, soit un PSE, soit une fermeture. Ça, on n'a jamais repris à 100%. Non. On travaillait, nous, on travaillait à 30% dans l'usine. Il n'y a plus rien qui sortait. Tendu. Ah. Et donc, ça fait que c'est le 28 septembre qu'ils nous a annoncé ça. Déjà, on s'était vu avant. Et puis, on avait dit, bon, ben voilà, on va le dire aux copains. Donc, il y aura deux choix. C'est soit on lutte et on occupe l'usine, ou soit, ben, on a une majorité qui accepte, parce que c'était, à l'époque, ils nous donnaient combien? 'C'est vrai que la solidarité dans notre lutte, elle a été, c'est le fer de lance, c'est ce qui a fait notre force, je pense, qui nous a fait partir aussi longtemps, nous faire tenir aussi longtemps, et d'être bah, aussi pugnace pendant des mois et des mois, puisque ça a duré quand même 1336 jours. Mais moi, le jour où ils ont annoncé la fermeture et qu'on a fait la grande AG là, ouais, à Biopathe, ouais, ouais. C'était pour moi la première fois que j'assistais à un truc comme ça. Pour moi, c'était du délirant. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais et tout? Je me dis, mais c'est quoi? Mais... Parce que c'est la planète qui te tombe sur la tête. Hein, parce que moi, je venais juste d'avoir mon CDI il y a 2 ans. Là. Et toi, Rim, tu parlais que c'était impressionnant, l'Assemblée. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand même les gens qui bossaient le jour, qui venaient la nuit ou juste après la journée de travail ici pour garder l'usine avec nous. Ça, c'est vrai. Et là, il y avait un peuple fou. C'est partie de la solidarité. Il y en avait de partout. C'était impressionnant ici. C'était impressionnant. Et cette solidarité-là, elle est aussi importante. Essentielle. On a eu plusieurs solidarités. On a eu plusieurs solidarités. On a eu la solidarité financière, bien sûr. La solidarité humaine et logistique. Tout. C'est ce qui a fait, je pense, c'est pour ça qu'on a gagné, je pensais, c'est que ces trois se sont fixés à notre lutte. On n'était que 76 à la base. T'as pas oublié l'avocat. Hein. Ouais, ben 78 alors. C'est une lutte syndicale, hein. Faut pas non plus oublier. Oui, non, c'est certain. C'est vrai qu'avant, je n'étais pas syndiqué avant la lutte, quoi, et j'ai appris à connaître ce réseau. Et, ouais, moi, c'est pareil. C'est vrai que c'est impressionnant, quoi. C'est pas... La CGT, c'est pas ce qui casse. Enfin, voilà, ouais, faut pas les oublier, comme se présentait souvent, malheureusement, dans les médias, quoi, mais l'usine, elle vivote, et elle produit, entre guillemets, jusqu'à l'été 2011, où là, on arrête tout. Et donc, et c'est là que démarre vraiment la bataille. Que Olivier et Gérard avaient mis en place le plan alternatif. Moi, je vais être honnête, dès le départ, je l'avais pas lu, ce truc-là, quoi. Mais j'étais tellement dégoûté de la fermeture, je trouvais ça tellement injuste et infondé que du coup, je me suis mis à y croire et à rentrer dans la bagarre sans regarder quoi que ce soit, quoi. Et après, c'est vrai qu'on a fait des productions militantes. Le tilleul des Baronnies. Ouais, ouais, non, le tilleul, pardon, c'est pas encore les Baronnies. Le tilleul, le thé vert du Vietnam. Voilà, donc ça, quand tu voyais... Et là, tu voyais que les gens reprenaient le goût, tout ça. Donc c'est vrai que là, tu te dis, bon, ben, il y a un truc à faire. Et c'est vrai que les événements ont fait que, voilà, on est... Moi, à l'époque, quand il est arrivé l'idée de la Scop, déjà, je pense qu'individuellement, chacun, on se posait chacun la question intimement, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, Par contre, moi, je me suis beaucoup informée sur les Scop. J'ai cherché sur Internet. Parce que d'une, je ne connaissais pas, donc j'avais peur. C'est normal. Quand tu ne connais pas, tu as peur. Mais pour dissiper cette peur, ben, j'ai assisté aux réunions. Il y avait aussi la rencontre avec plusieurs entreprises qui étaient en scope. Oui. Puis je me disais, ouais, c'est celle qui serait le plus proche, puisque pendant la lutte, on a vu qu'on était tous ensemble et qu'on s'organisait et qu'on gérait la lutte comme une entreprise, hein, un peu. Donc, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple tu te dis où tu vas, quoi. Quand tu passes de simple employé à décideur et employé en même temps, mais bon, on l'a fait puisqu'on a créé notre Scop. moi, ce qu'il... Parce qu'à Unilever, j'étais aromatiseur. Hein. Et à l'époque, moi, quand je suis arrivé à, Fralib, ben, j'étais heureux de travailler. Quand on m'a présenté l'usine Fralib en 96, parce que je suis arrivé aux matières premières, dans ma carrière professionnelle, pour moi, ça a été un bon. Parce que j'ai pas de diplôme, donc j'ai été carréiste, j'ai été manutentionnaire. Et là, on me proposait de créer quelque chose. Puisque tu créais le thé aromatisé, tu faisais les infusions aromatisées. Et quand je suis arrivé de 96 jusque dans les années 2000, c'était les arômes naturels. Et après, donc c'était vraiment de la cuisine. Hein. C'était piloté par informatique, mais il fallait une année et demie de formation. Oui, tu avais des recettes. À l'œil, au toucher, à l'odeur, il fallait que tu ajustes les paramètres pour avoir du bon produit. Et dans le projet de Scop, quand on a parlé, mais voilà, on veut revenir aux arômes naturels, putain, ça, voilà, ça m'a beaucoup plu. Ça fait notre fierté. Hein. Ben, c'est que nous, on est fiers de ce qu'on fait. Parce qu'on sort des bons produits, etc. Oui. etc. Et aujourd'hui, c'est un luxe, hein, de dire je suis content de travailler de mes produits. Hein. Tu fais des animations. Hein, on a tous fait des animations. Les remontées qu'on a des clients, elles sont énormes. Elles sont énormes. Nos produits sont de qualité, sont extra par rapport à d'autres produits. Rien que ça, déjà, c'est notre fierté. Enfin, pour moi, c'est ma fierté. Voilà. De voir ce qu'on a créé aujourd'hui et ce qu'on a fait, c'est énorme. C'est énorme. Et ça, on va avancer. Moi, je dis qu'on va avancer. On va monter en puissance encore plus. Après, c'est sûr bon, il faut s'implanter à droite, à gauche. On n'est pas encore implanté partout. Dans le haut de la France, il n'y a rien. Et moi, j'étais opérateur. D'opérateur, je suis passé... j'ai fait jardinier, j'ai fait cuisinier. Maintenant, je me trouve commercial. Ah, ben, voilà. Il faut tout faire. Ah ben, c'est clair. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être polyvalent. Dans la Scop, il faut être polyvalent, on n'a pas le choix. C'est pas comme Unilever disait, ouais, t'es opérateur, tu restes opérateur, t'es mécano, tu restes mécano. Non, mais non, on est obligé de s'implanter dans tout, de tourner. Moi, je dis, c'est super. On l'aurait pas fait avant. On crée les produits, on choisit les composants. En collectif. Et voilà, collectivement, quoi. Donc, c'est comme ça que tout le monde s'implique. C'est tout le monde qui décide. Voilà, exactement. Ben, tu parles de tout le monde décide. Bah, on a mis l'organisation en place qui est différente totalement de ce qu'avait à l'époque Unilever. C'est qu'aujourd'hui, tu as l'Assemblée générale qui est souveraine. Tu as le conseil d'administration qui a été élu par l'Assemblée générale. Des coopérateurs. Et le conseil d'administration qui élit le comité de pilotage. Donc c'est une démocratie, logiquement, la plus ultime. Il y a un truc où il ne faut pas se leurrer parce que ça arrive dans beaucoup de coopératives. Et c'est pour ça que moi, dans la coopérative, je me bats à fond pour ça. Quand tu perds tes valeurs, ta coopérative, elle meurt. En Argentine, c'est un endroit où il y a beaucoup de coopératives. Et à force des générations qui passent, ceux qui ont créé la coopérative, ben, ils ne sont plus là. Et c'est d'autres qui prennent avec d'autres idées. Parce qu'ils n'ont pas connu cette lutte-là, ils perdent un peu leur valeur de démocratie, de fonctionnement de la coopérative, etc. Et bien les coopératives, elles meurent. Parce que derrière, il ne faut pas oublier, on vient d'une lutte. Notre coopérative... C'est ce qui fait notre force, nous. Ça fait notre force, mais aussi les mecs qui veulent notre mort. Ah oui, tout à fait. Donc on a tous les problèmes d'une entreprise normale, mais en plus, on a les problèmes liés parce que ben, on est une lutte et il ne faut absolument pas qu'on gagne. Ça, on n'enlèvera pas. Avancer, on avance, mais après, il ne faut pas oublier que tu as des concurrents aussi derrière. Ah oui, non, c'est clair. Ceux-là, ils feront tout pour nous mettre les bâtons dans les roues, pas quoi. Mais tu les vois rien que dans les rayons, quand tu mets tes produits. Tu installes tes produits, tu as deux mecs qui descendent, ils viennent, ils prennent tes produits, ils enlèvent. Exactement. De quel droit ? Il y a ça, ouais. Il y a ça, et puis on n'a pas la force commerciale du budget pub aussi. Voilà, de toute façon, ces entreprises, c'est quoi? C'est le marketing et les avocats, ça s'arrête là. Les produits, c'est de la merde, mais les boîtes, elles sont jolies, nous, la communication et ils ont de belles pubs. Aujourd'hui, je suis assistante de comptable. Ce n'est pas mon métier, donc je fais. De temps en temps, je fais la commerciale parce que bon, il faut faire. On n'a pas de moyens publicitaires, donc on est obligé de faire des choses qu'on n'aurait jamais cru faire. On fait des animations, on fait des discours en public pour présenter nos produits. Mais ça, c'est notre pub qu'on ne peut pas payer, justement, qu'on ne peut pas se permettre de... Il faut être fou. Se rendre compte, quoi. Ouais, il fait des concerts à droite à gauche, toi, tu fais du théâtre. Ouais. On a tourné des téléfilms. Moi, j'ai fait quelques concerts également. Enfin, c'est incroyable. C'est complètement ouvert des horizons. Ouais, c'est une émancipation, quand même. On a lutté pendant 4 ans. Donc c'est énorme. Puis ça a été dur, on en trouve partout nos amis, on a eu des séquelles, etc. Et ce qui fait, voilà, c'est pas qu'un travail. Le truc aussi de la lutte, c'est l'enrichissement qu'on a eu par rapport à tout ça. Parce que faire du théâtre comme on a fait au début, on était sur scène comme on a fait, faire le commercial, parce que si t'es pas commercial à machin, c'est se mettre en danger pour aller face aux gens. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu es dans les entreprises normales, c'est tu fermes ta gueule, tu es un ouvrier, tu es un coup de travail. Et ça s'arrête là. Alors qu'ici, c'est pas ça, quoi. Ici, c'est... tu n'es pas un coup de travail, parce que c'est toi qui fais vivre l'entreprise. En même temps, on partait de loin, parce qu'à Unilever, on avait tous des salaires différents. Voilà, on vient d'une lutte où tout le monde s'est battu, et après, on ne va pas comptabiliser les écarts, mais en gros, tu ne peux pas dire que dans la lutte, les opérateurs se sont moins battus que les autres, Ouais, mais regarde, maintenant, on peut être fier quand même, parce que regarde comme on a réduit les écarts par rapport à ce qu'il y avait avant. Non, tout à fait. On n'a que 70 € d'écart entre les ouvriers, les agents de maîtrise et le directeur, il est à... Ouais, c'est ça, ça a brisé le moule du parfait petit salarié, là. Alors que c'est toi le plus important, quoi, parce que tu mets le patron, là, il n'y a pas d'ouvrier, ben, ton usine, vas-y, sans patron, on arrive à tourner. Ça. Et c'est ça qu'ils ont peur, c'est ça qu'ils ont peur. Quand les gens, justement, ils se diront, mais c'est nous, quoi. C'est nous qu'on crée les richesses, c'est nous qu'on fait tourner les trucs. C'est pas le directeur. C'est pas le directeur. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les coopératives comme ça y réussissent, parce que toi, tu tends à prouver le contraire. Donc sur les sujets qu'on va discuter, qu'on va aborder à cette assemblée, on va faire Bruno va faire la présentation après son mois passé à Scop-Ti. On discutera aussi on fera un point sur la situation depuis janvier, depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, sur le chiffre d'affaires, un petit peu les ventes, voir si ça progresse pas. Et on parlera aussi des mesures qu'on devrait aussi décider sur la continuation de l'activité partielle, parce que voilà, on n'est pas encore sorti d'affaires. Un des dossiers prioritaires sur lequel j'avais travaillé un peu avant, mais là vraiment à temps complet, c'est le dossier des nouveaux emballages, donc qui devrait être prêt pour septembre comme prévu. Donc voilà un petit peu. L'autre fois, on vous avait montré des maquettes un peu bricolées. Là, on est vraiment sur l'approche quasi finale d'exemples de 4 références majeures. Donc avec le thé Vermente, l'infusion du soir, l'infusion verveine et un des nouveaux produits, l'infusion du nord au sud. Donc avec la même logique, toujours d'avoir ce logo 1336 très présent, mais surtout de favoriser la reconnaissance des clients sur ce qu'ils veulent acheter. Et puis une première confrontation avec les magasins locaux, puisqu'il y a eu un salon Auchan à Aix-en-Provence il y a 10 jours, où on a pu rencontrer le patron d'Aubagne, les patrons du siège, et discuter avec eux. Et on sent quand même un accueil très très favorable, j'ai trouvé, de cette enseigne pour nos produits. Donc là, c'est un exemple de nos produits à Aubagne, où on est mis vraiment de manière privilégiée, puisqu'on est en tête de gondole permanente. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout, mais on va essayer que nos produits, dans cette enseigne Auchan, il y a quand même 127 magasins, Ce qu'on avait eu comme information au bout d'un an de fonctionnement à Auchan-Aubagne, c'est que l'arrivée de 1336 dans le magasin Auchan-Aubagne, il avait augmenté le chiffre d'affaires du rayon thé et infusion global de 25 %. Et le chiffre d'affaires 1336 dans le rayon thé et infusion représentait 13 %. C'est clair. Bah d'ailleurs, ça... Le chiffre d'affaires cumulé, on est à 100 000 €, ce qui est énorme, 100 000 € pour une gamme qui est quand même une gamme assez petite, hein, c'est pas mal. Mais là, on est sur le top du top du top, Les autres magasins, c'est un peu une carotte. Les autres magasins auront du mal à faire aussi bien parce qu'il y a une proximité géographique, une proximité affective que n'aura pas le Auchan de Nantes ou le Auchan de Lille. Le directeur du magasin d'Aubagne, il se présente dans Auchan comme le parrain des Scop-Ti dans Auchan. Le directeur, déjà, au moment où on faisait les actions il n'avait pas été rancunier. Ah ouais, mais bon, je pense qu'on l'a vu au salon, on l'a vu à Aix, et d'ailleurs, ouais, effectivement. Ah ouais, non, mais bon, voilà. Bah, je pense qu'il n'est pas non plus... il n'est pas stupide, il fait du... Si on n'avait pas fait des produits de qualité qui se vendaient, on serait pas resté 6 mois. Hein. Donc le deuxième point, on va l'aborder sur la situation de l'activité. Hein. Donc comme vous le savez, l'année 2017 s'est terminée plutôt bien, plutôt sur des tendances intéressantes. D'ailleurs, on a atterri avec un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Donc le Carrefour a été aussi reporté, mais bon, on va le démarrer, j'espère, au mois de, je sais pas, juillet-septembre. Donc tout ça, c'est un chiffre d'affaires qui va nous manquer, parce qu'on espérait atteindre un chiffre d'affaires d'à peu près 4,5 millions, entre 4 millions et demi en 2018. Donc si on arrive aujourd'hui à avoir la trésorerie, on a la trésorerie par rapport à l'activité qu'on a liée à notre activité marque distributeur. Ce n'est pas ça qui nous dégage la marge, mais ça nous permet d'avoir la trésorerie, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, les banques, ils ne nous suivent pas. Alors, ils prêtent à d'autres, mais pas à Scop-Ti. La préparation de l'Assemblée générale, donc c'est le troisième point. Donc ben, en juin, donc, ça fera 4 ans hein, qu'on existe en scope. Donc il y a un conseil d'administration qui a été élu pour 4 ans, donc qui arrive en renouvellement au bout de 4 ans, donc et au mois de juin, ça tombe. Donc l'occasion du CA sur les comptes, ça nous permettra de renouveler le CA. On vous a distribué à chacun un document pour vous positionner sur est-ce que vous êtes candidat au prochain CA ou non. Donc on a eu 40 réponses qui sont là. Hein. Donc, sur les 40 réponses, on en a 8 qui se proposent à faire partie du CA. C'est vrai que l'idée de départ, c'était de recréer les filières courtes, hein, retravailler les producteurs locaux, notamment les pays de la Drôme et le Tiel des Baronnies, où avant tous les gros groupes allaient se servir, maintenant ils ont asséché la filière parce qu'ils vont se servir en Europe de l'Est ou ailleurs, quoi, je ne sais où. Et du coup, bon, c'est vrai que recréer, essayer, on voit que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tant que ça de... On ne fait pas des productions énormes de Tiel des Baronnies, quoi. Voilà, donc c'est vrai que ça prend du temps. Pour que déjà redonner envie aux producteurs de cueillir ce tilleul et de continuer la tradition. Déjà, ces réseaux courts. Ça a avancé, parce qu'au départ, le premier tilleul qu'on a fait, c'est tilleul militant pendant la lutte, où on avait été chercher du tilleul. Enfin, on est passé de ce tilleul-là à maintenant, on a tilleul menthe, manderven, etc., etc. Donc, les relations, ils ont évolué avec les Ah oui, ben on a des fournisseurs en France. C'est ce qu'on s'est dit. De toute façon, on s'est dit le plus possible travailler avec des locaux français. Voilà, donc c'est vrai que pour la gamme bio, ben, on se fournit uniquement de plantes françaises. Après, pour la gamme 1336 qui est conventionnelle, il n'y a pas assez en France pour le volume qu'on a. On n'avait pas assez de plantes en France. Puis on est à un niveau national, c'est une production nationale, donc on est obligé de travailler aussi pour écouler ces volumes, tu es obligé de travailler avec les grands magasins et GMS parce que bon... Très souvent on nous pose la question, qu'est-ce que vous préférez? Qu'on vienne se servir à l'association ou qu'on aille prendre les boîtes dans les magasins? C'est compliqué à répondre, la question répond. C'est compliqué. Non, après tu peux comprendre la critique des gens, parce que c'est vrai qu'on a combattu les multinationales et que du coup... Hop, on se retrouve là-dedans. On se retrouve un peu dans le système, quoi. Mais on ne peut pas faire autrement. Avec nos valeurs, certes, mais voilà, on y est quand même, quoi. On y est quand même directement, tu te retrouves dans ce système-là. Quand tu expliques, voilà, on est une industrie, quoi. Voilà. Donc on a besoin de générer beaucoup de volume Et il y a aussi le, moi je sais quand on me pose cette question, je dis la plupart de la population, une grosse part de la population se fournit dans les grandes et moyennes surfaces, donc on était obligé d'y être. Après, c'est sûr que si dans quelques années, puisqu'on a aussi le réseau alternatif, on a un réseau alternatif qui est assez conséquent et qui fait que grossir, et je pense qu'on a encore de quoi faire dans ce circuit-là, parce que les gens ont envie d'autre chose, d'une manière de consommer autrement. Donc, il faut satisfaire tous les consommateurs. Et nous, notre but, c'est de pérenniser la boîte. Casino, on sait que l'acheteur national ne voit pas. Donc, c'est les directeurs de magasins qui viennent te voir. Voilà. Mais pourquoi ? Mais les directeurs de magasins, ils savent qu'il y a une attente de nos produits. Non, on a eu des directeurs qui ont dit ces produits ne rentreront pas dans mon magasin. Quoi. Oui, non, qui sait recommander ça ? Je veux pas ça. Les directeurs, ils vont me renvoyer tout ça. Ah. Ah, mais c'est normal, on est marqué. Je veux dire, inviter les consommateurs à agir. Et à consommer local. Voilà, la plus belle manière, c'est de consommer les produits d'entreprises comme la nôtre, ou comme d'autres aussi, parce qu'on n'est pas les seuls. Il faut consommer du T1336 avec une bonne Madeleine Jeannette et une glace. Une bonne glace à Belode. Et voilà. L'éléphant. Il voulait t'envoyer au cimetière, contraint et forcé. Ils pensaient faire loi sur cette terre, ils ont oublié que l'éléphant obstinément n'est pas sans défense. Est-ce que tu entends son barrissement? Résistance. Los Fralibos, Los Fralibos, l'éléphant. Los Fralibos, l'éléphant. De 100 ans que tu délivres cette fragrance. À ta santé, toi éléphant de notre enfance. Et dans 100 ans, ceux qui viendront à Gémenos pourront encore sentir l'odeur du thé. Les Fralibos.